Bon ben salut, salut, salut à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui je vais parler d'un livre qui s'appelle The Tarot Coloring Book, qui est illustré par quelqu'un qui s'appelle Megha Mounden, qui je pense est britannique, et qui fait des dessins de tatouages, du street art. Je ne pense pas qu'il soit tatoueur, mais moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. C'est propre et net et je me vois bien colorier ces dessins de tarot. J'aime bien. J'avais fait un dessin quand j'étais plus jeune dans une école d'art. J'avais fait des dessins pour un jeu de cartes. C'est que ça avait été ma meilleure note et j'avais beaucoup aimé ça. Donc celui-là, je le verrai un petit peu avec de l'or comme sur la pochette. Et donc après, je vais pas vous expliquer le tarot. Tout le monde connaît plus ou moins, il y a le chariot, l'ermite, la mort, il y a plein de personnages, après on tire les cartes. Moi je n'aime pas ça, je n'aime pas me faire tirer les cartes. C'est un peu par superstition, même si je n'y crois pas du tout. Je n'aime pas. Par contre, j'aime beaucoup les motifs. Et ce livre-là m'avait tapé à l'œil et les autres aussi d'ailleurs. Il y en a plusieurs, hein, toujours fait par le même illustrateur. Alors je sais qu'il y a quelqu'un qui a écrit les textes. Alors c'est qui a écrit les textes? C'est Diana McMahon-Collis. Voilà. Après, c'est effectivement un livre qui a été imprimé en Angleterre. Et c'est moi c'est un coloriage de tarot. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est un dessin assez simple. Mais on peut faire comme un peu pas des enluminures, mais moi je les vois bien avec beaucoup de doré, de couleurs brillantes, pas pailletées, hein, je parle de couleurs brillantes. Et voilà, je pense que je m'y mettrai un jour. C'est toujours pareil, j'ai des tas d'envies, mais il est toujours un petit peu difficile à... Voilà, ben, je vous laisse un petit peu regarder. Bon, bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait envie. Dans des couleurs vives et avec beaucoup de dorures. Ça me donne très envie de colorier. C'est vrai que ça ressemble aussi à des tatouages. Mais là, c'est bien des dessins pour un jeu de tarot. Je pense que le jeu de tarot doit exister d'ailleurs. Bah voilà, pour la présentation de ce petit livre, The Tarot Coloring Book. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Vous voyez, il y en a d'autres. Et je vais vous laisser là pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera aussi sur un livre. Et je vous dis salut, salut. Portez-vous bien et à bientôt.